Sans problème. Des problèmes ? Il y en a toujours, monsieur Tardiveau. Surtout quand on veut organiser une exposition de peinture sur la voie publique, en plein été, au milieu des touristes. Pourtant, vous êtes ici chez vous, en plein cœur de Montmartre, dans le quartier des Abbesses, où vous vivez depuis 40 ans. Tout près de la Midinette, le restaurant Poulbeau, qui expose vos toiles. Voilà, tout est prêt. Les tableaux sont bien accrochés, les catalogues rangés et bien présentés. Et pour attirer le chaland, un petit coup de manivelle, et voilà la ritournelle. C'est une bien belle exposition, monsieur Tardiveau. Et le vin coule à flot. Mais avant d'aller plus loin dans la soirée, magie du montage et de la télé, remontons 6 mois plus tôt. Mais parce qu'il vous donne des. C'est vous qui lui donnez des cartons. Oui, je lui donne des cartons, c'est pour ça. Pourquoi vous lui donnez des cartons? Parce qu'il me les a demandés.
Ah, on peut vous demander n'importe quoi, vous vous accédez. Non, c'est des, en fait, c'est des choses que je jette, donc autant que ça lui serve à quelque chose. Hein, ouais, oui, mais ça m'est bien utile, tu sais. Ouais, hein. N'hésite pas, voilà. Voilà, mais je vais t'en demander bientôt. Mais ouais, pour là, je vais en avoir toutes les semaines. D'accord. Pour décembre. Mais pour l'instant, c'est pas la peine. Hein. Oh, bah, ça me fait plaisir. Salut. À plus tard. Bonne journée, merci. Tu vois, dans le relief, bon, des fois, j'en ai fait beaucoup comme ça. Et on peut y mettre de la couleur. Ouais. On peut y mettre de la couleur. J'en ai fait beaucoup, voilà, 5-6 ans comme ça. Aujourd'hui, Tardivo a de la visite. Martine Gasnier, collectionneuse d'art contemporain et amie des artistes, est venue du fin fond de l'Orne pour voir son vieil ami. Hello, Jean-Claude. Bon voyage. Ouais, très. Ouais. Bah écoute, par un temps épouvantable, je viens me réchauffer dans ton atelier. Je te déshabille. Laisse-moi faire. Bah, prends mon sac, j'en prends le sac dans ton atelier. On va passer par là. Assieds-toi, Martine. Bon, alors Jean-Claude, je t'ai rapporté les délicieuses. Ah, ça me manquait. Ça te manquait, le ça ne m'étonne pas. Ton harem est revenu au complet. Voilà, bah tiens, je vais te faire voir celui-là d'abord. Je vais t'expliquer. Ces deux-là se connaissent depuis 1986. Ils se sont rencontrés dans la galerie de peinture d'Alix Le Marchand à Paris, où étaient exposées les Vénus de Tardivo. Depuis, Martine, en sa qualité de directeur de l'Office départemental de la culture de l'Orne, a souvent acheté des œuvres aux peintres pour le fonds d'art contemporain orné. Elle a aussi invité son amie à animer des ateliers de peinture pour les jeunes enfants des écoles d'Alençon. Tout cela autour du bonhomme Tétard, une œuvre emblématique du peintre. Chaque individu a toujours l'enfant intérieur. Et donc, quand moi je fais une peinture, c'est un peu à cet endroit de l'être que je m'adresse. Qui a fait cela, là ? Les prénoms là, c'est là. Laurent. Voilà. Gilles. Quand on me pose la question à partir de quand vous avez commencé à peindre, j'ai dit bah, écoutez, à 2 ans et demi, parce que j'ai fait des gribouillis, j'ai fait des bonhommes tétards, et puis je ne me suis jamais arrêté. Ils vont me les déglinguer à souhait, hein, c'est-à-dire faire quelque chose que moi je suis incapable de faire. Et après, en fonction de ces dessins-là, je les ferai travailler, peindre, et moi aussi. Hein, mais en restant au plus fidèle de ce qu'ils auront fait dans le graphisme. Alors, tous les enfants ont fait ça. Hein. Les premiers dessins que vous avez faits, on les appelle les bonhommes tétards. Hein ? Les bonhommes tétards, c'est les premiers dessins que les enfants font. Ils sont comme ça. Vous vous souvenez ? Si vous avez des petits frères ou des petites sœurs qui ont 2 ans et demi, vous verrez, ils font des dessins comme ça. Ça, ce sont les premiers dessins d'enfants. Et alors, eh bien, moi, derrière, j'ai construit toujours comme ça. Vous voyez qu'après, quand vous êtes un peu plus grand, vous faites comme ça. Hein ? Alors, il y en a qui font des choses comme ça. Hein ? Et moi, ce que j'ai fait, c'est pas plus élaboré, enfin, je veux dire, c'est pas mieux qu'un bonhomme tétard. J'ai fait comme les enfants. Ça fait donc plusieurs fois qu'il vient dans l'Orne, la troisième fois, et on a à chaque fois un retour tant des enseignants. Les parents ne s'expriment pas tellement, mais les enseignants et les enfants, eux, s'expriment. Et Jean-Claude est quelqu'un qui est attendu. Jean-Claude, 1997 fut ta première exposition au château de Carouge. Et le président le rappelait, depuis, il y a une grande fidélité au département. Alors, le département t'a été fidèle, mais toi aussi t'as été fidèle au département. Donc tu as eu des lieux prestigieux, le château de Carouge, la scène nationale, des lieux plus modestes. Tu as toujours accepté d'aller, j'allais dire, dans des lieux improbables, même si c'est un lieu institutionnel comme la Poste. Hein.
Et pour tout ça, Jean-Claude, un grand merci. Autre lieu improbable, Martine, le bar des Charmilles à Bazoches-sur-Ouenne, où un petit espace exposition débat est consacré à la culture. Ici, Tardivo est venu animer une présentation de son travail pictural. Sans état d'âme, et tout au long de la soirée, il va évoquer son enfance en Indre-et-Loire, dans une famille modeste, sa condition de jumeau, qui lui fait dire souvent « Dès le premier jour de ma vie, l'autre est aussi moi ». Et puis, il y a aussi cette rencontre déterminante avec son professeur de dessin de Tours qui va l'aider à trouver son chemin dans la peinture. On est un peu déçus, vous me disiez ça. Non, faut pas le voir comme ça. Chacun peut se retrouver dans l'autre. Jean-Claude disait qu'il est arrivé au bout de l'abstraction et son œuvre est très très cohérente. L'œuvre de Jean, un Tardivo, même des différentes périodes, un Tardivo, on le reconnaît entre mille. Ah oui. Quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens, dit le proverbe. Ainsi, Tardivo retrouve son bonhomme tétard là-bas, enfoui, très très loin. J'ai eu une formation classique, j'ai eu toute une démarche, mais qui m'a amené d'une manière, je dirais, naturelle, hein, à une phase d'abstraction très, très forte. Et, pendant 3-4 ans, c'était dans les années 70, par là, oui. Et pour arriver jusqu'à accepter et reconnaître la toile vierge. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais je viens pas de là, quoi. Enfin, je veux dire que ma démarche ne doit pas être intellectuelle, ne doit pas être absconce. Ça a été fait. De surcroît, je ne saurais pas discourir dessus. Donc, je me suis arrêté et j'étais 3 mois sans peindre. Et je me suis remis tout de suite, après 3 mois, à faire des grandes toiles de 2 mètres par 3, mais académiques. Donc j'ai commencé à redéfaire mes personnages, à me les, comme je te dis souvent, à me les déglinguer, et puis à les réduire. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas suffisant. Puis j'avais à ce moment-là ma fille qui allait à l'école maternelle, et je suis allé la chercher, et j'ai vu dans les classes les bonhommes tétards. Et là, je me suis dit, mais c'est ça. Notre origine, elle est là. Hein, on part tous de là. Donc je me suis accaparé du bonhomme tétard. Moi qui suis droitier, je me suis amusé à le travailler de la main gauche, oui, et parfois les yeux bandés pour le faire évoluer dans une surface plus grande. Je me suis forcé à le faire d'une manière ataxique qu'on appelle, hein, c'est-à-dire incoordonné comme les petits bouts de chou peuvent avoir. Je peins avec mes tripes, donc les phases... elles arrivent, elles s'enchevêtrent, de toute façon, il y a un chemin, mais il n'est pas tout droit. De temps en temps, on prend un chemin à droite, et puis on va au bout, et on s'aperçoit, sans s'être cassé la gueule, hein, on s'aperçoit qu'on a fait le tour. Hein, c'est pour ça que quelqu'un a dit que je revenais toujours au bonhomme tétard. Mais en fin de compte, ce n'est pas mon bonhomme tétard, c'est ma direction. Le bonhomme tétard, c'est quoi? C'est le début de mon existence de dessinateur et de peintre. Hein, c'est ça. Après, partant de là, j'ai un chemin. Mais ça n'empêche pas que je fais ça en permanence. Alors, comme je te disais, tu vois, les corps, il y a des troncs, une tête, des seins et des cuisses. Et là, pareil, tête, seins, corps. C'était aller à l'essentiel. Cette période qu'on appelait la période... La période des Vénus. Et quand j'avais fait mon cheminement partant de l'académisme, l'épuration, ça m'amène à simplifier la chose. Je ne veux pas dire qu'il y a le bonhomme tétard là-dedans, mais il y a toujours cette forme ovoïde.
de l'origine. Et, mais toutes les toiles ne sont pas comme ça. Mais celle-ci, c'est la traduction de, peut-être d'un bonhomme d'État. C'est une phase qui, dans la simplification des personnages, tu vois, où les mains sont encore importantes, mais c'est une période qui préfigure l'abstraction. Il doit y en avoir même peut-être là qui sont pratiquement abstraites. Tu vois, voilà une. Et ça, c'était dans les années 70, par là. Oui, dans les années 70. Alors, ce sont des cartons que j'ai fait justement après cela. Après ce. Mais c'était un essai parce que je voulais une matière brute, c'est-à-dire, tu vois, carrément le carton sauvage. Ouais. Et j'ai utilisé un artifice qui fait qu'on ne voit pas les rainures, hein, tu vois. Ouais. Je vais t'expliquer, c'est parce que j'avais au mur, j'avais ça, c'est-à-dire, j'avais fait un truc un peu sauvage, oui. Avec des bouts de bois, il n'y avait pas de pied comme ça. Et puis je le regardais, ça fait au moins 4-5 ans qu'il était au mur. Et puis je me suis dit, tiens, je vais refaire des cartons. Un peu à brut parce que j'en fais, mais ils sont un peu plats. Donc, ben, je lui ai mis deux pieds, puis j'ai fait un fond et j'ai collé ça. Jeune, plus jeune, on va dire. Hein. Et, fallait que je m'extériorise, que physiquement, je m'éprouve. Et je faisais du footing. Et j'avais un circuit, et un jour, en courant, je vois par terre une boîte écrasée. Et puis ça m'a attiré. Et au deuxième tour, je me suis dit, il se passe quelque chose là. Et puis à la fin, je l'ai ramassé. Et j'ai fait un collage avec. Et c'est une matière qui m'a plu. Et depuis très longtemps, je travaille le carton. Oui, non. Voilà, je te disais tout à l'heure que la matière sur tes œuvres est extraordinaire. Là, ça s'en est un exemple. Hein, avec les journaux. Oui, c'est siphonné et encollé. C'est sur une toile. Une toile, oui, ça reste classique. Sauf que je ne peins pas, moi, jamais sur une toile tendue sur un châssis. Je travaille, comme là, c'est un carton, mais en général, j'agrafe mes toiles, ce qui fait que j'ai du répondant, je peux faire tout ce que je veux. Si c'était une toile, et là, quand j'ai tendu ma toile, hein, j'ai collé du journal froissé avec de la colle à bois. Et là, il y a juste un petit jus et là, c'est peint par-dessus. Jean-Claude, la couleur maintenant. Ben voilà, je t'avais dit que je te ferais voir de la couleur. Ouais. Oh, voilà. Tu vois que là, il n'y a pas besoin de non, c'est vrai de oui, matière oui. Parce que c'est... Ça existe par la couleur. Oui, hein. Oui, oui. Ouais. Alors, ce sont des compositions que je fais. Quand tu commences une toile, et je vais te faire voir là. Je suis uniquement dans le ressenti, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai envie ou d'une composition à plusieurs personnages, ou d'un seul personnage, ou que deux personnages. Et à ce moment-là, moi j'ai des milliers de dessins. Je vais te faire voir, attends, je vais aller te chercher un carnet. Bon, ben voilà, tu vois, tout ça, ce sont des carnets de dessins. J'en ai même encore là-bas dans mes étagères. Il y en a des milliers. Et quand je pars et que je ne peux pas peindre, je n'ai pas mon matériel, j'ai toujours des carnets et des crayons. Et je dessine de n'importe quand. Ça, c'est quand j'ai besoin de mettre un animal dans une toile. Alors j'en dessine beaucoup pour en choisir un. Parce que je sais que je vais occuper mon espace d'une certaine, dans une forme. Oui. Et dans cette forme-là, j'y plante des personnages que je choisis là par rapport à mon ressenti. Alors, un chiffon. Moi, je ne suis pas dans la raison, dans la réflexion, dans le développement d'une idée, d'un message. Le message, surtout pas. Quoi. Moi, j'ai mon libre arbitre. Donc, quand je peins mes personnages, ils ont leur libre arbitre. Ils n'adhèrent pas à rien. Souffrir pour créer, non, c'est pas ma philosophie. Moi, j'ai un bon copain, hein, Robert, me disait, Jean-Claude, on n'est pas là pour faire chier le monde. On peint quelque chose de joyeux.
Jeune, je disais, je suis instable. Je me disais, mais je suis instable. Et en fin de compte, non. Maintenant, je peux dire que c'était tout simplement de la curiosité, de l'insatisfaction et de la curiosité. Il y a des gens qui doutent pas, je les admire pas, hein. Moi, je doute toujours. Je me suis aussi fabriqué des pinceaux, c'est-à-dire ça griffe la matière, que si j'avais des pinceaux plats, comme on utilise en peinture à l'huile souvent, tu sais que l'acrylique, quand on la peint, elle se tire, et qu'avec ces poils de balai, je griffe la matière et on a un rendu un peu comme si c'était de l'huile. C'est comme je te disais, le choix d'un dessin. Aujourd'hui, tu fais le choix d'un dessin, mais hier, t'en aurais pris un autre ou demain un autre. Ben, les couleurs, c'est un peu pareil, tu sais. Quand je vais acheter mes couleurs, je regarde à chaque fois sur le pot quel est le nom de la couleur. Quand je fais le choix d'une couleur, c'est au ressenti, mais je ne saurais même pas te dire comment elle s'appelle. Bon, c'est un violet en gros, mais tu sais, ils ont des appellations. Puis chaque marque, pour une même couleur, peut changer de nom. Jean-Claude, tu m'avais caché tes talents d'artiste street art. C'est mon côté voyou, ça. Tiens, regarde. Ah, ça, c'est ma petite fille. C'est David qui a pris ça. Ça saute un peu parce qu'il marchait. Puis elle est superbe, la cabine. Et les gens qui me connaissent me croisaient dans la rue. Ils disaient, ah, j'ai vu ta cabine. Ah oui. Alors là, ça c'est la grande sœur. Les petites puces. Adorables. Ah, c'est des petits amours. Difformes, biscornus, déglingués, nus ou vêtus d'oripeaux, flamboyants, ces personnages ne cessent depuis qu'il a commencé à peindre de se transformer. Ils sont les avatars d'un même être insaisissable qu'il poursuit depuis l'enfance, afin de trouver la réponse à cette unique question : qui est l'autre ? Aux visages évanescents, Tardivo préfère les rigolotes aux joues rebondies qui vous sourient joyeusement. Elles ne sont pas belles, non, plutôt du genre grassouillé. Elles sont plus fagotées, voire déguisées qu'habillées. Les couleurs de leurs improbables robes éclate pour conjurer la grisaille du quotidien. Gertrude. Elle voudrait qu'on la surnomme la grande, comme sa lointaine aïeule. Alors elle campe sur ses positions jusqu'à ce que l'autre capitule. C'est cela, l'autorité. Suzanne. Elle a abandonné sa renommée aux mains de vieillards concupiscents. Depuis, elle hésite à prendre un bain. Thank you.
depuis 15 jours maintenant, un livre qui reprend sur 200 pages de nombreuses toiles entre 88 et aujourd'hui, et même certaines toiles que j'ai pu retrouver avant aujourd'hui. Donc il y a des toiles que j'ai vues là qui sont dans son livre, livre qu'il a reçu là à 3h30 de l'après-midi. Donc c'est une journée un peu particulière, et pour lui et pour moi. On regarde les belles choses et le maître, c'est pas oh. Ah si, le maître, c'est bon. Jean, genre. Jean, ça va, je sais pas. Mais je dis toujours maître, 1m70. Mais avant c'était 1m72. C'est l'âge. J'avais 27 ans quand j'ai connu Jean-Claude. Et j'étais vendeuse à la Baguette de Bois et il venait chercher ses fournitures à la Baguette de Bois. Voilà. Et donc je lui vendais des tubes de peinture, des châssis, de la toile, des pinceaux évidemment. Moi j'ai quitté la Baguette de Bois et j'ai ouvert ma galerie au quartier de l'Horloge à côté de Beaubourg. Et donc, exposé bien évidemment avec d'autres copains peintres comme Berger, Vaillant-Baudry, il y avait Aldo Paolucci aussi, il y avait des gens comme ça, et on avait une très très bonne équipe. Voilà, toutes les deux on connaît bien Tardivo et on connaît sa peinture quand même. Oui. Bon, on va dire ça comme ça. Et on peut dire que c'est un homme à femme. Ah ça, je ne sais pas. Moi je dirais que oui. Vous savez, oui, vous pouvez dire, moi je ne peux pas dire. Moi je nous dirais que ça n'est qu'un même à femme, et qu'il a de la chance d'avoir le charme qu'il a, et qu'à son âge, son charme il perd encore, et moi je lui dis bravo. On va laisser arriver, hein. On va laisser arriver. Je vois ton jumeau. Bah oui. Eh bien effectivement, voilà, c'est ça. Oh oui, ça se voit. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y en a un qui est plus de du Claude. Peut-être la vedette. C'est difficile de dire je. Moi, je dis toujours on parce que c'est jamais dit je. On suivait des cours jusqu'à l'âge de 18 ans. Quand on est rentré dans la vie active, lui est venu aussi faire du sport avec moi. C'était de la gymnastique. Quand j'ai eu 50 ans, on a fêté notre centenaire. Hein, et ma belle-sœur m'a dit, qu'est-ce qui te fait plaisir pour vos 100 ans? Ben, je dis, oh, j'aimerais me remettre à peindre. Mon frère, il a dit, je ne peux pas te remettre à peindre. Tu sais, à 18 ans, on ne savait rien. Hein. Tu vas te mettre à peindre. Et puis j'ai peint une année, deux années tout seul. Puis vous voyez bien que c'était bon. Je voulais faire ça en autodidacte. Il m'a dit, ça ne t'intéresserait pas d'aller suivre des cours? J'ai des copains aux ateliers d'art de la ville de Paris, Place des Vosges, Forgaspe, Dussault. J'y suis allé pour 3 ans. En fait, je suis resté 8 ans. Un jour, j'ai le mari d'une copine qui était peintre qui m'a dit, mais t'es pas jaloux? Tu connais rien aux jumeaux si tu me dis ça. Hein, faut pas être jaloux. Et bon, maintenant, faudrait être un peu sur les bords pour envier, parce qu'il y a un travail derrière. Inouï. Et donc il vient vous acheter. Il vient nous acheter tout ce qui est peinture, entre autres à la flash. Dans des couleurs bien précises. Ah oui. Et voilà quoi. Il sait ce qu'il veut. Ah ouais. On a l'impression que c'est très simple à faire et pas du tout. Et pas du tout justement. Non, pas du tout. C'est ça le truc. C'est que on a l'impression que c'est ouais, mais juste c'est voilà. Comme tout ce qui est bien fait, que ce soit au cirque ou tout, ça paraît très simple, mais ça demande derrière une sacrée technique. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup le voir parce que c'est toujours le même esprit, mais ça évolue. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ce petit personnage, cette petite bonne femme. Effectivement, d'un premier abord, c'est le côté naïf. Et en fin de compte, tu découvres tout le monde, un monde à l'intérieur et plein de choses de la vie qui se révèlent sur ces toiles, comme beaucoup de peintres d'ailleurs. Mais ce côté naïf, en fin de compte, quand on le regarde, on a l'impression que bon, c'est naïf, mais c'est pas naïf en fin de compte.
il y a plein de choses de vérité sur notre monde actuel. C'est ça qui est incroyable. Je serais tenté de dire que c'est indispensable quand on a 30 ou 40 ans, mais après, un vieux bonhomme comme moi, là, hein, j'ai 80 balais et 4 jours, donc c'est pas tout à fait indispensable. Si les choses ne sont pas faites à mon âge, elles ne se feront jamais. Moi, j'aime tout le monde, j'aime toutes mes chéries, mais on le fait par exprès. C'est toutes mes chéries. Hein ? C'est toutes mes chéries. Bon, il y en a quand même qui ont priorité. Mais bien sûr, elles se reconnaîtront. La reconnaissance, c'est de peut-être d'être dans l'hiver, mais d'avoir surtout des enfants qui m'adorent et que j'adore et qui font tout pour moi. Et pour moi, il n'y a que ça au monde. Et si je m'entends dire que je ne fais pas mon âge, je pense que c'est grâce à eux. Si ce qui me permet de beaucoup m'accrocher, c'est la peinture. Le travail, toujours le travail. On n'arrête jamais. On n'arrête jamais. Je dis toujours en rigolant, je peindrai plus quand je serai mouru.